Marcus Bonus. Et bienvenue dans la préambule de l'épisode de Fallout 3. Donc, chers amis, comme vous voyez, on est toujours devant le super calculateur. Enfin, oui, on va appeler ça comme ça. Et on va aller l'activer. Excusez-moi. Mise à jour des ordres. Ordre à changer. Demander nouvelle télémétrie. Télécharger données télémétrie vers application utilisateur. Données téléchargées. Couper la liaison. Transgressons ordre. Refus. D'accord. Apporter les données au scribe Rothschild. Bon, on va faire ça, chers amis. Comme d'habitude, je vous demande de mettre dans les commentaires si vous voulez voir la suite de l'aventure ou non. Est-ce que vous voulez que je fasse quelques vidéos sur un autre jeu? Si oui, lequel? Tout ça, toutes ces questions, c'est à vous d'y répondre. Je fais encore une fois, la chaîne, elle est là pour nous, et enfin pour vous comme pour moi, quoi. C'est vraiment pour nous. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis quand je vous le demande. C'est tout simplement fait exprès. Alors, où est-ce qu'il faut qu'on aille? Ah oui, c'est rentré à Shy. Hop, on va là. Alors, pas grand chose dans le coin, c'est un peu mort. Il devrait y avoir deux gardes normalement. Plus un robot sentinelle. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Devrait y avoir deux gardes et un robot sentinelle. Je crois que je comprends ce que vous avez dit. En me calmant et en me concentrant, je ne vois plus que la cible. Alors vous avez atteint un nouveau niveau de compréhension. Ce n'est pas le cerveau qui se bat, c'est la passion, l'instinct et la volonté de survie. Il est bon lui. Ce n'est pas le cerveau qui se bat, c'est la passion, l'instinct et la volonté de survie. Alors, est-ce que j'ai de la flotte sur mon corps? Oh, sale. Oh, j'ai 29 poches de sang, ça peut être cool ça, bon. Et j'ai rien d'autre pour me régénérer. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah si, j'ai des steampacks, mais je vais pas gaspiller des steampacks pour ça. Alors. Bonjour. Personne dans le coin. Hein. Alors, où sont-ils? Où suis-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? What? Assiette chaude, d'accord, ok. Ok, oui, t'as du boulot, quoi. T'as du matos, c'est du boulot. Qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, je pensais qu'il allait nous dire un truc particulier, mais non, même pas. Rothschild! Tiens, il est en train de bouffer sa brochette, lui. Lui, il bouffe son petit pain. Je ne peux pas le croire. Toutes ces années de travail, pourquoi? Une seule opération bâclée. J'attends le débriefing de Tristan, mais je me demande si ça en vaut la peine. Sans Prime. C'est dommage pour le robot, personne n'aurait pu empêcher ça. Ça aurait pu être pire, ils auraient pu attaquer la citadelle. Par chance, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait nous aider. Par chance. À ce stade, je ne vois pas ce qui pourrait nous aider. On peut être reconnaissant qu'il n'ait pas employé plus tôt ce qu'ils ont employé. Néanmoins, nous devons continuer. Qu'avez-vous pour moi? J'ai trouvé des données chiffrées à la station relais. Je ne sais pas ce que c'est, on dirait des données. Vous saurez. Vous devriez peut-être étudier ces données au lieu de pleurer votre robot. Ouais, voilà. Eh bien, vous avez raison. Inutile de se lamenter sur le passé. Sans Liberty Prime, l'enclave ne va pas tarder à se regrouper. Bon, t'en as-tu un paquet, non? Vous, allez voir l'aîné, Lyons. Voyez si l'on peut tirer quelque chose de cette opération catastrophique. Mais va te faire en... Eh, bouffe mon gros canon. Ça pose un problème à quelqu'un? Apparemment, je peux le buter sans que personne ne soit mécontent de la chose. On va dire. Repos. Ah, ce qui va être par là. Oh, il y a des chiottes. C'est pas comme si... Non, c'est pas comme s'il y avait des caisses d'eau pure tout autour. L'eau pure, elle est où? Putain, donnez-moi de l'eau. Je veux de la flotte. De toute façon, il y a que ça à boire dans ce monde pourri. Eh putain, mais il y en a tout un tonneau. Je veux tout un tonneau de flotte. Dans ma chambre. S'il vous plaît. Salut. Joli ce que t'as parlé. Ah, bah voilà. Merci. On m'a assisté, oui, tu parles.
Acqua pura, ma che? Pourquoi elle en italien? Il vous faut quelque chose? Qu'est-ce que t'as à me proposer? Vous avez connu mon père? Il est... Vous avez combien? Oui, et vous aussi. Il est mort comme il a vécu, en connard égoïste. Et ainsi, nos actions comptent. Vous êtes du... J'ai escorté votre... Peut-être plus tard, peut-être, d'accord. C'est pour avoir un... un follower. D'ailleurs, où est passé Fox? Non. Oh non, pas Fox. Fox, il était cool. Oh non. 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 Où est passé Fox? Je me rappelle plus. T'as bien être quelque part. Ah, cul-de-sac. Fox! Où es-tu, Fox? Non, dis-moi que t'es encore en vie. Qu'est-ce que j'ai fait de Fox? C'est vrai, ça je me rappelle plus du tout. Oh, putain, il a deux... Ah oui, d'accord, oui, c'est son chez lui. Ah oui, il dormait avec quelqu'un. Besoin de quelque chose? Non. Non, non, ça ira. Tu peux te lever, s'il te plaît. Bonjour. C'est dégoûtant. J'imagine que vous avez discuté avec Rothschild. Oui. J'espère qu'il pourra explorer. La destruction de notre meilleure arme risque de nous faire perdre l'initiative et de mettre en péril toute cette campagne. Je dois reconnaître... que je me demande si cette opération était une bonne idée. Eh bien, il est trop tard pour revenir en arrière. Effectivement, et c'est bien mon souci. Nous avons frappé l'enclave, mais c'est à son tour de nous frapper, et plus fort que nous l'imaginions. Si nous ne pouvons pas identifier et neutraliser cette nouvelle menace, nos chances seront minces. Elle nous a déjà privés de notre meilleure arme. Eh, c'est moi votre meilleure arme. Ce n'est pas ce que j'appelle des paroles de chef. Je vous en prie, n'ayez pas la prétention de me rappeler qui je suis, ni ce que je dois faire. Je suis tout à fait au courant de mes responsabilités. Oui, ben dans ce cas-là, garde espoir. Si nous en avons terminé, allez vous présenter au... Oh, comment il m'envoie chier. Non, je croyais qu'il allait avoir un PC un peu plus important que ça, mais non. Valeur de choc. Et oui, je strafe. Non, il est pas là. Oh, Tristan. Au travail là-bas. Espérons que les scribes sauront tirer quelque chose des infos que vous avez trouvées. Ouais. Malheureusement, on n'a pas le temps de rester assis en attendant l'analyse. D'après ce que je sais de vous, c'est qui l'analyse ? J'ai une mission qui devrait vous aller. Madame Lise va bien ? Je vais bien m'y recoller. De quoi avez-vous besoin ? Quelque seul boulot, je peux le faire. Je vais toucher quelque chose pour ça. Quelque seul boulot, je veux bien m'y recoller. Avec les revers qu'elle a subis, la confrérie est en position délicate. Tous les moyens disponibles doivent être déployés en vue de la contre-attaque que va inévitablement déclencher l'enclave. D'accord. Mais par ailleurs, nous pensons avoir trouvé un moyen d'accroître nos chances de victoire. Oh. Mais comme tout le monde a été affecté à la défense contre l'enclave, nous n'avons personne à envoyer en mission de récupération. D'accord. Alors, je vais devoir vous envoyer à la centrale d'Aulnay afin d'y chercher une techno. La centrale, il faut que j'aille jusqu'à Aulnay. Vous devez aller là-bas. D'accord. C'est notre meilleure chance de trouver. D'après nos... Si vous ouais, en bref. Trouvez une, rapportez-la ici. Aulnay est un coin dangereux. Je pourrais avoir quelque chose pour m'aider. Allez voir le script Valincourt. Elle étudie... D'après ce que j'ai compris, elle a peut-être... Ah. J'attendrai cette... Ah. Quelqu'un qui pourrait me donner quelque chose. Quelque chose de technologiquement expérimental. Parce que c'est une techno, apparemment. Oh putain. Ok.
Qu'est-ce qu'on va avoir? Une techno. C'est quoi une techno? C'est une techno. Oh putain, c'est une techno. Besoin de quelque chose? T'as la tête de Butch, donc non. Courtyard. Alors attends, Great Hall Solar Lab et Ring. Solar. Plus. Oh putain. Le scribe Valancourt. Putain. Votre présence ici nous honore. Ah, c'est par là. Besoin de quelque chose? Valancourt. Jameson. Ça c'est Jameson. Peut-être dans le labo. On va aller voir. Alors, courtyard. Lab armurerie. Bon bah voilà, c'est là qu'on va. Tayo. Alors, Valancourt. Ah, il y a un point fixe, donc il y a peut-être un bonhomme. Ou alors c'est là. Votre présence ici nous honore. Ah, je vais devoir utiliser la carte, j'aime pas faire ça. Voilà, donc il y a bien quelqu'un en plein milieu. En train de boire le thé tranquillement. Valancourt. Je suis toujours très très occupé. C'est important ou ça peut attendre? Il paraît que vous pouvez m'aider à rentrer à Old Olney. Eh bien, peut-être. Je veux dire, c'est possible. Je le crois, mais je n'en suis pas certaine. Je ne sais pas si ce sera vraiment utile. Je veux dire, je ne sais pas si ce sera efficace puisque ça n'a pas été réellement testé. Mais je crois que j'ai trouvé un moyen de couvrir les signaux qu'utilise l'enclave pour contrôler ces écorcheurs. D'accord. Et prenez ça. C'est un prototype. Tâchez de ne pas le perdre. Comment fonctionne le brouillage? Ça couvre les signaux de l'enclave, alors en ce qui concerne... Et rappelez-vous que son fonctionnement est passif. Tant que vous... D'accord. C'est bon, ça va. J'espère... J'aurais mieux d'y aller. C'est pas plus mal si on peut éviter les écorcheurs de l'enclave, parce que bon, ils sont assez badass. Enfin, on va pouvoir les défoncer, mais ils nous attaqueront pas à vue, à mon avis. Bon, maintenant, faut sortir. Besoin de quelque chose? Hop, courtyard. Bon. Alors, et c'est maintenant qu'on va rigoler. Où est-ce qu'il faut qu'on aille exactement? Ah, il y a deux points. Pourquoi deux points? Pourquoi deux points? Tirer profit des écorcheurs contrôlés par l'enclave. Ah. Oh, c'est intéressant ça, dit comme ça. Vous savez quoi, on va se téléporter juste à côté. Genre, à la ferme de Castacross. On parle même pas de ce truc là. C'est violent, je ne me rappelle même pas. Ouh, c'est rapide. Hop. Oh bah non, on voit la limite le... Boum, ça prendra. Merci pour ton petit doigt. Alors maintenant, c'est par où? C'est par là. Alors, faire attention aux écorcheurs. Faire attention aux écorcheurs. Faire attention aux écorcheurs. Attention aux écorcheurs à faire. C'est quoi? Un fond-jeu? Aussi loin de la flotte? Ouais, voilà, c'est ça. C'est un camion de Coca-Cola, quoi. Bon, on va en prendre un petit peu. C'est bon, le Coca.
carrément bon le coca. C'est là-dedans qu'ils auraient dû mettre des mines. Imaginez le truc. Du coca, ouais. Blam. Bon, on a déjà récupéré tout ça en coca, ça devrait suffire. Alors. Mettre à profit les écorcheurs. Oula. Tu as une très bonne vue. Putain, ils y voient vachement bien quand même. Ah bah oui, tu m'étonnes. Pas celle-là. Ah bah écoute, tu fais le boulot pour moi. C'est sympa. Ah, pardon. Ah non, c'est un copain. Ah. Bonjour copain. Ah putain. Hey. Salut les amis. C'est un copain, putain. Si ça c'est pas bon. Mine à plasma, écoute, je vais la prendre. Cellule énergétique, je vais les prendre. Pistolet à plasma, je vais le prendre. Ah, ah ben, un tout petit PC. C'est marrant ça. Universal Collected. Confusing. Non. Ça fait longtemps, j'ai l'impression. Ah, bah voilà, du premier coup. Bah voilà. Que demande le peuple? Alors. Compte rendu. Ordres officiels. Bon, c'est pas ça que je voulais. Moi, je veux voir plus de mes copains. Bah alors, où qu'il est, mon... Mince, excusez-moi. Ah bah c'était 7, c'était 6. Mince, quand j'ai appuyé dessus, j'ai pas trouvé. 6. Ah, voilà. Bon. Alors. C'est bête, j'aurais bien aimé trouver autre chose. Pauvre bonhomme. Microcellule à fusion, bah je prends. Vous avez pas autre chose à me proposer? Genre un vrai truc. Tu sais que t'es tout beau? Alors, y'a pas un deuxième PC ou un truc comme ça quelque part? Un truc qui me permette d'être sûr d'avoir fait ce que j'avais à faire, parce que bizarrement y'a rien. Je veux dire, j'ai pas l'impression d'avoir fait la mission en elle-même. Parce que vous voyez, y'avait un deuxième point quoi. Et la quête en question c'était... Tirer profit des écorcheurs contrôlés par l'enclave. Je sais bien que techniquement je sais ce que je suis en train de faire mais... Bon bah écoutez, on va bien aller voir, hein. Puis tant pis, on verra bien. Mais comme il est déjà mourant, le machin... Ah, c'est son casque qui fait bip bip bip. Putain, je comprenais... Oh bah non! Mais c'était un copain! Mais...
Mais... Mais c'était un copain l'autre. Mais c'était un copain. Je sais même pas quoi faire maintenant qu'il est parti. Il me manque. Bon, bon bah tant pis, on avait un bon copain. Un copain badass qu'ils ont décidé de faire sauter. J'aurais peut-être dû lire les trucs. Je les lirai dans Fallout 4, mais pas dans celui-là. Je crois qu'il m'a vu. Raté. Touché. 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 Non, il me court dessus. Wouhou. Bonjour. Down, down. Down, down. Down, down. Bon, vu qu'il y avait un écorcheur par là, je pense qu'on va aller par là. Ouh. Ouh, il y en a un qui a mangé. Ouh, il y en a un qui a été nourri, là, ça c'est clair. Hein. Ouh. C'est que ça devait être bon en plus. Un carpaccio de raider avec armure et bottes comprises. Oh putain. J'ai vu la bébête. J'ai vu la bébête. Oh putain, la bébête. C'est marrant, il me semblait beaucoup plus grand, moi, avant. Parce que j'avais fait un personnage nain, peut-être. Voilà. Problème résolu, chers amis. Bon, est-ce que quelqu'un veut négocier? Non. Un truc là-bas. Non. Meurs. Alors, je suis là, hein. Ah, il prend la route, il suit la route, c'est bien. Alors, don't walk, walk. Ok. C'est par où, Jack? C'est par où? Aïe, aïe. Putain, je l'ai pas entendu venir. Celui-là, il est vicieux. Pim, pim, pim. Aïe, pim, pim. Voilà. Parce que si c'est là, j'étais déjà dedans en fait. J'étais même déjà au bon endroit, entre guillemets. Donc ce serait un peu dégueulasse, tu vois ce que je veux dire. Apparemment, c'est plus ou moins là. Hein. Ah, je suis coincé. Non, c'est bon. Hop. Bon, apparemment, je peux pas grimper par là. Ah, là, j'ai pu. Ah! Bon. Bon, on aura fait un tour de con, chers amis. Ah, bah attendez, il y avait une porte là en fait.
Ah. D'accord, il y avait une porte. Donc voilà la zone. Ah. Et goût d'olné. Et donc nous chers amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce viriser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus, bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et visitez le lien de mon partenaire GameStop.com dans le descriptif de l'épisode. Ça pourra m'aider à avoir Fallout 4, ça serait sympa. Merci à vous, et à plus pour d'autres épisodes.